J'avais dormi presque 3 jours et 3 nuits sans discontinuer. Mon voyage m'avait épuisé, il fallait bien ça pour recoller les morceaux. Au 4e jour, je décidais enfin de sortir de ma piole et de me dégourdir un peu les pattes. Tumbleweed était toujours aussi calme. Je décidais de faire un tour à la petite alimentation. Il me restait quelques maigres dollars dans ma partie de poker. J'avais faim et j'avais besoin de m'acheter quelques provisions. J'avais du mal à me réveiller, les idées embrumées. Les presque 3 jours passés au lit ne devaient pas aider, mais j'avais décidé de prendre la journée assez tranquille, me réveiller petit à petit. Alors que je faisais mon entrée dans l'épicerie, la propriétaire me salua. Elle me présenta son catalogue et me dit de faire comme chez moi. La petite alimentation était modeste mais relativement bien achalandée. On y trouvait un peu de tout, des provisions de base, de la nourriture, des fruits et des légumes. Je commençais par prendre de quoi manger, puis quelques provisions pour Sirocco. Je lui prenais aussi une paire d'éperons et un lasso, on sait jamais, on pourrait peut-être en avoir besoin. Enfin, je lui prenais aussi une vieille chemise de seconde main. C'était pas le summum de la mode, mais ça ferait l'affaire. Toujours mieux que ce vieux tricot de peau plein de sueur. Du point de vue de la nourriture, je lui avais acheté quelques conserves, j'avais de quoi voir venir. Mais j'avais plus que 3 $ en poche. Qu'à cela ne tienne, je retournais au saloon. Autant dépenser mes 3 derniers $ dans une bonne bière bien fraîche. Au saloon, l'ambiance avait absolument pas changé. J'avais même l'impression d'y retrouver exactement les mêmes têtes. Je commandais une bière au serveur, puis m'installais à une table. Je restais là à songer, et les heures passaient. J'avais pas vraiment de notion du temps, mais j'étais là depuis un bon moment. Toujours les mêmes ivrognes, toujours les mêmes conversations. Toujours aussi peu d'opportunités. Ça faisait même pas 3 jours que j'étais arrivé, j'avais déjà l'impression d'être un vieux de la vieille. Il se passait absolument rien, et j'avais même l'impression que le pianiste jouait le même morceau en boucle, incessamment. Je restais là à songer pendant des heures. Un inconnu venait de faire son entrée dans le saloon et en effet, il attisait ma curiosité. Il n'avait pas l'air comme les autres. Je savais pas exactement quoi. Je sais pas si c'était sa cicatrice sur son visage ou son air décontracté qui tranchait avec le reste. Le barman l'accueillit sans même le regarder. Il lui dit « Salut John, la même chose ?»« La même chose », lui répondit-il. Il enfila sa bière d'une traite en commanda une seconde, puis s'approcha de ma table. « Je peux m'asseoir ?» me dit-il. « Ouais, pas de problème », lui répondais-je timidement. L'homme m'observait pendant quelques secondes. J'en faisais de même. Puis il entama la conversation. « C'est la première fois que je te vois par ici. T'es pas du coin ?» me dit-il. Je restais silencieux quelques secondes, puis lui répondais. « Non, je suis pas du coin. » Il enchaîna aussi sec. « Pardon, excuse-moi. John McCallahan. Et si t'es pas du coin, ça nous fait un point commun, » me dit-il. Je lui répondais. « Diego Hernandez. Et qu'est-ce qui t'amène ici, John McCallahan ?» Il me répondait, qu'est-ce qui nous amène tous ici? Les dollars, bien sûr, l'or. Alors, je devrais peut-être pas te dire ça, mais est-ce que t'as déjà entendu parler du cougar sapa? Le cougar sapa était un animal légendaire. Sa réputation allait bien plus loin que la frontière mexicaine, donc oui, j'en avais déjà entendu parler. Mais c'était que des légendes pour moi. John me répondait, une légende, ouais, c'est ce que tout le monde dit, mais bon. Il y a quand même quelques rumeurs bien persistantes et j'ai envie d'aller vérifier de mes propres yeux. Je suis trappeur. Et jusqu'à présent, toutes mes plus belles prises ont commencé par être des légendes, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Ce genre de bestioles savent se faire discrètes, jusqu'à ce que j'apporte la carcasse de la légende sur la table du boucher, et là, par ici la monnaie. C'est pas la première fois que j'entends ça. Mais bon, assez parlé de moi. Et toi, Diego, qu'est-ce qui t'amène ici? Je réfléchissais un instant à ce que j'allais lui répondre, puis... C'est une longue histoire. Franchement, je sais même pas par où commencer. Je traversais la frontière il y a environ 10 jours, et voilà, je suis arrivé ici, je pense que c'est tout ce qui compte. C'est un nouveau départ pour moi. J'ai aucun contact, aucune connaissance, aucun dollar en poche. Voilà, je pars de zéro. John marqua un long silence, puis il me demandait timidement.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à traverser la frontière ? J'ai décidé de lui mentir. J'ai eu un différend avec ma famille sur les questions d'héritage. Disons que j'avais une vision drastiquement différente du patrimoine de mon grand-père que le reste de ma famille. Je me les suis tous mis à dos. Ils ont envoyé des pistoleros pour me faire la peau et j'ai pas eu d'autre choix que traverser la frontière. John me coupa net. Ouais, t'inquiète Diego, j'ai pas besoin de savoir les détails, c'est ton histoire. Moi aussi j'ai eu des problèmes avec mes parents. J'ai grandi à Hansburg et dès 7 ans ils m'ont envoyé au fond du trou. Tu parles d'une enfance. John resta un instant silencieux à regarder le vide, comme s'il se remémorait tous ces moments. J'en profitais pour changer de sujet. Et sinon, ton cougar là, ça rapporte bien ? John sortait instantanément de sa mélancolie passagère et me répondait oh, « Je peux en tirer $55, je te parle que de la fourrure là. » Mais Diego, comme tu m'as l'air d'un type bien, je vais te faire part d'une petite information que j'ai entendue. Puis il enchaînait « Vic Moore, ça te parle ?» Je répondais « Non. » Il poursuivait « C'est un fugitif, évadé du pénitencier Sicilien, il y a environ 3 mois de ça. Quand tu sortiras d'ici tout à l'heure, tu verras sa tête sur le panneau des primes. » Je tiens de sources sûres qu'il est en ce moment même en train de se diriger vers Fort Mercer pour y retrouver sa bande. Selon toute vraisemblance, ils l'attendent là-bas demain aux alentours de 10h du matin. Si par malheur, tu te trouvais sur sa route un petit peu plus tôt, sur la route de Fort Mercer, et que tu lui tendais une embuscade, les $20 que représente sa prime te reviendraient dans la poche. Ce serait pas magnifique. Je le regardais dubitatif et je lui disais « Qu'est-ce qui me dit que tu me mens pas ?» Il me répondait « Absolument rien, mais si j'étais toi, j'irais jeter un œil quand même. Allez, Diego, j'ai de la route qui m'attend. Au plaisir de te revoir, l'ami. » John quitta précipitamment le saloon. Je décidai de sortir. Il fallait que j'aille jeter un œil au tableau des primes. Vic Moore. Jusque-là, John disait vrai. Mais pourquoi voulait-il m'aider ? Est-ce que c'était un piège ? John m'avait pas paru plein de mauvaises intentions, mais il fallait que je me méfie. La curiosité était plus forte. Je décidai de partir demain, à l'aube. Je ne sais pas si j'allais ramener ce Vic Moore, mais j'avais simplement besoin de savoir si John m'avait menti. Et pourquoi ? Où est-ce qu'il avait bien pu entendre tout ça ? Est-ce qu'il était seul, ce Vic Moore, accompagné ? Que de questions. J'ai décidé de regagner ma chambre, que je payais avec mes derniers dollars d'ailleurs. J'avais pas sommeil, mais j'allais prendre le temps pour étudier la carte, penser à mon approche, nettoyer mon revolver, bien manger et me reposer. Un orage avait éclaté pendant la nuit, mais je décidais de quand même me mettre en route. Je partais sur les coups de 4h du matin. Tumbleweed dormait encore, mais je pense que personne s'aperçut de mon départ. J'étais assez troublé par cette rencontre avec John. J'étais à la fois nerveux et excité. C'est assez étrange. C'était difficile de savoir quelles étaient ses réelles intentions. Est-ce qu'il m'envoyait à la mort, presque, par amusement ? Ou bien est-ce qu'il me donnait une réelle chance de pouvoir gagner quelques dollars ? Quoi qu'il arrive, j'avais pas vraiment le choix. Et quelque part, j'avais envie de me frotter à ça. J'en avais besoin.
J'arrivais sur le lieu que je m'étais fixé comme repère aux alentours de 6h du matin. Encore une fois, c'était difficile à dire. J'ai décidé de m'arrêter et de scruter l'horizon avec ma paire de jumelles. C'est pas croyable. Un convoi là-bas au loin. Se pourrait-il que... Il fallait que j'en ai le cœur net. J'ai décidé de m'approcher. À mesure que je m'approchais du convoi, mon cœur tambourinait dans ma poitrine. C'était un sentiment indescriptible, une excitation énorme. La caravane était arrêtée. Une des diligences semblait avoir cassé une roue et les hommes étaient affairés à la réparer. Les hommes étaient lourdement armés. Pas de doute possible. Il fallait que je m'approche. J'avais le souffle court et les mains moites. À mesure que je m'approchais, les foules se faisaient de plus en plus discrètes. Attends, et si je me trompais? Allez, Diego, c'est pas le moment de flancher. Et si c'était pas le bon convoi? Et si j'étais en train de m'en prendre à des innocents? Ah, et puis merde, advienne ce que pourra. Vic, Moore, les mains en l'air, ou je te fais sauter la cervelle. Putain, le con, il avait raison. L'excitation et l'adrénaline étaient incomparables. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Je ligotais Vic et décidais de filer sans attendre. Je prenais quand même quelques instants pour faire les poches de ses acolytes et... je tombais sur un chapeau. Là, ça commence à avoir de la gueule. Je chargeais Vic sur Sirocco, mais j'avais été négligent. J'avais mal serré le nœud. J'étais pas habitué à ce genre de truc. Bouge pas, espèce d'enfoiré! Inconscience allait être beaucoup plus facile. Mais avant que je puisse le charger, ces hommes de main étaient déjà sur nos trousses. Je ramassais mon chapeau, mais quand je me retournais, Vic s'était encore fait la malle. Putain, il est vraiment costaud. Enfoiré. Ugh!
jamais. Cet homme avait décidément de la ressource, mais je touchais au but. J'arrivais à Tumbleweed. Alors que je faisais mon entrée dans Tumbleweed, je pensais à John. Ça avait donc été un homme de parole. Il m'avait dit vrai. Le pourquoi, le comment, n'avait au final que très peu d'importance. J'allais empocher mes $20. J'étais heureux, content et vivant. Moi qui avais douté de mes propres capacités, je ramenais cette prime presque sans aucune égratignure. People will be real excited to see him go. Thanks. That's the bounty, as agreed. J'empochais donc ma récompense et sortais du bureau du shérif avec le plein de confiance. Je sentais, ma chance allait peut-être tourner. Cette rencontre fortuite aujourd'hui, c'était peut-être mon nouveau départ, celui que j'attendais depuis longtemps.